Salut tout le monde! Je vous souhaite bien entendu la bienvenue dans ce gameplay commenté de Red Dead Redemption où il n'y a pas de son parce que j'ai eu un petit problème avec mon logiciel d'enregistrement, donc on a l'image mais pas de son. Donc je me suis juste contenté de mettre de la musique d'ambiance en fond pour pas que ça fasse trop vide. Donc comme vous pouvez le constater, je suis au Mexique. Et pour ceux qui reconnaîtront, c'est un endroit qui était rempli de... Comment dire... Voilà. De femmes à plaisir, voilà. C'est rempli de femmes à plaisir. Donc là, on retrouve un de mes personnages préférés, Rickett. Et comme vous pouvez le constater, toujours en forme, hein. Oh, ce que ça m'énerve que ça n'ait pas enregistré le son. Ah oui, bien entendu, le problème a été réglé, mais un petit peu tard. Donc je pense que la prochaine vidéo de gameplay que je ferai, il n'y aura pas non plus de son. En plus, une partie très intéressante que vous découvrirez bien entendu par vous-même. Donc là, il tape la discute. Je savais pas que les morts-vivants se draguaient entre eux, comme on a pu le voir au début de cette cinématique. Donc pour la musique, bien entendu, pour les connaisseurs, c'est la musique de Red Dead Redemption, musique d'ambiance. Génial quoi. Ça fait un peu vide, sans fond. En tout cas, j'admire Rickett pour sa cool attitude. Oh, il est vain. Donc en gros, il va nous demander quelque chose. Il va juste nous demander de lui rapporter, voilà, ben, de l'appât à zombies, comme vous avez pu le lire en dessous, et de la dynamite, ce qui se fait très 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 rapidement. Si vous n'avez pas plus d'appât à zombies, ne vous inquiétez pas, c'est super simple à en fabriquer, c'est juste de cueillir des fleurs et d'utiliser le kit à appât pour en fabriquer. Donc là, je vais aller me balader pendant quelques heures en attendant de débloquer la mission. Donc là, hop, quelques heures plus tard, je retourne voir Rickett. Mon cheval, je sais pas ce qu'il fout là. Ah, je passe même à travers. Donc on lui ramène le tout. Et donc je vous laisse savourer cette chanson et cette cinématique silencieuse.
Ah là là, toujours aussi cool. Bon, comme vous avez pu le constater, cette mission en fait nous permet donc de débloquer une nouvelle arme, l'appât explosif. Donc comme vous vous en doutez bien, on vous balance par terre, ça tire tous les morts vivants et au bout d'un moment, kaboum, ça explose. Donc là, je vais me diriger vers Las Hermanas pour aller voir la bonne sœur. Enfin, la mère, pardon. Qui va aussi nous dire ce qu'elle a trouvé sur cette horde de morts-vivants. Donc, je vous laisse savourer cette cinématique avec cette musique d'ambiance Red Dead Redemption. Et si vous voulez les chansons de Red Dead Redemption, normal, hein, ça Red Dead Nightmare, les chansons de Red Dead, si vous voulez toutes les chansons, je les ai toutes. Donc vous m'envoyez un message, un commentaire, n'importe quoi, et j'essaierai de l'upload sur un serveur et vous enverrai le lien. Sur ce, savourez. Donc voilà, comme vous l'avez deviné, oh là, je suis fatigué moi ça. Comme vous l'avez deviné, on va aller rendre visite à Abraham Reyes. Si vous vous souvenez bien, Abraham Reyes était un résistant mexicain. On a aidé à, entre guillemets, prendre le pouvoir. Il avait dit qu'il allait rendre le monde meilleur. Qu'il allait rendre la liberté à tous les Mexicains. Mais comme tout homme, le pouvoir appelle le pouvoir, il en a voulu toujours plus, et voilà, donc on va aller lui rendre visite à ce nouveau dictateur. Donc là on voit une vieille en pleurs, on sait pas pourquoi. Là on retourne dans le fameux palais présidentiel, enfin pourquoi je dis un palais ? La maison présidentielle. Donc là on voit Abraham Reyes transformé en mort vivant. Qui court après. Logique.
Donc comme vous avez pu le lire, d'après les dires de cette jeune fille, ce sera à cause de ce masque que tout le monde serait devenu mort-vivant. Apparemment, Abraham Reyes aurait pris le masque pour avoir des super pouvoirs. Rien. Puis en le prenant, bah, il a body. C'est parti pour un headshot. Deux headshots. Attention, ça s'enchaîne vite. Allez, un magnifique double. Et je vais commencer à manquer de munitions, ce qui n'est pas top top. Surtout que le passage dans la dans les catacombes, ce passage m'a vraiment fait flipper. Pas flipper au point de... Mais on se demande d'où ils vont sortir. Plein de choses comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est déjà la fin de ce gameplay commenté. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, et la suite dans les catacombes.